Je suis avec maman en ami. Elle est venue faire le seul boulot. Moi je vais m'asseoir et je vais faire l'inspecteur de travaux. Je veux rester polie. Elle a failli faire un doigt à la caméra. Oui, je veux rester polie quand même. Donc en fait, pour tout vous expliquer, j'ai mis ma belle tenue de soirée là. Parce qu'on va aller ranger la cave. Parce qu'il va bien falloir qu'on fasse une chambre à cette petite. Et là, c'est pas possible. Donc là, ça, c'est les meubles qu'on a montés aussi. Et moi, ça, c'est rien. Enfin, c'est rien. Ouais, non, c'est. Non, monter les meubles, ça nous fait pas peur. Il est petit. C'est ça le diable, c'est un petit diable. Alors, par où on commence? Je montre ou je montre pas? Ouh là là. Alors déjà la lumière ici ça va être chiant. Mais c'est pas tout le temps. Il y a une lumière en plus, ouais. Bah alors préparez-vous psychologiquement. Voilà la cave. Ouh là 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 là. Mais en fait je pense que ça va être vite viré tout ouais, ça. Donc on va s'y mettre. On va s'y mettre. 6 ou 7 mètres. Hein. Bon alors ça avance un petit peu. Mais comment dire, tout ce qui est plus là. 3 tonnes et demi ça. Bon on va le jeter alors. Tout ce qui est plus là, c'est là. Oui donc on a juste un peu déplacé quoi. On a déplacé la merde là pour l'instant. Alors là on est posé. Avec l'apéro. C'est l'heure du goûter. Mais en fait c'est l'heure de trier. Ouais. On n'en voit plus au bout. Ah ouais. Alors, on est loin du bout encore. Alors si tu viens chez moi après, il va falloir faire pareil. Hein. Tu viendras m'aider. Laisse-moi coucher d'abord. Tu viendras m'aider. Hein. Sérieux, tiens. Regarde. Bah, si je dis oui à la caméra, je vais être obligée d'honorer le après mes engagements. Vous avez l'impression qu'on avance, mais en fait on n'avance pas des masses. En fait si, mais il y a toujours ça là. Si vous avez pitié de nous, passez à travers l'écran. On part en couille complet. J'ai oublié de vous dire que cette dame que vous voyez là, elle m'a laissé filmer avec un gros truc vert dans les dents. Donc je sais pas si au début de la vidéo, peut-être que j'ai pas les dents tout à fait nettes. Là, non, mais non. Ben, voilà. Non, je sais pas. On va voir peut-être ça, c'est permis. On dirait deux grosses. Hein. C'est vrai. Hein. Bon, moi j'ai une excuse. Mais bah, je suis pas, regarde. Moi j'attends personne. Hein. J'attends personne. J'allais travailler. En fait, sur cette vidéo, on va croire que c'est toi qui as tout fait. C'est vrai, ouais. Je fais ici ce que je fais pas chez moi quand même. Hein. Bah, c'est déjà bien, écoute. C'est... Bon, et bon, mais ça a toujours pas bougé. Elle est sexy, maman Ami. Tu fais voir de dos. Non. On voit tout son stringe à travers. C'est collé, ça part pas. C'est quoi? Je sais pas. Ouais, c'est pas grave, ça décore. Bon, alors vous voyez toujours maman Ami, mais moi aussi je participe, mais je peux pas filmer en même temps. Tu peux pas tenir la caméra voilà. Et participer au. Là, ça. Là, voilà, maman Ami qui casse un placard. Non, j'ai pas cassé. Et... Quand elle ferme, elle fait pas semblant. Et voilà, ce qui reste. Alors, quand même, je trouve qu'on avance. Regardez quand même. Il y a moins de bordel que t'as. Bon, il y en a encore, mais ça va. Alors, les amis, j'ai une question. Est-ce que ça, vous savez ce que c'est? J'en ai retrouvé deux dans mes affaires. Je sais pas pourquoi j'en avais deux. Ah, mais c'est Texas Instruments hein, qui fait ça. Ouais. Donc, je suppose que si vous êtes né dans les années 80, vous avez dû avoir ça aussi. Je sais pas si dans les années 90, il le faisait encore. Je pense pas quand même, je sais pas. Enfin bref. Bon là ça on commence à y voir bien plus clair. Donc ça c'est à jeter. Mais ça aussi là. Ah non, pas les vidéos. Attends. Ah putain, faut les rentrer. Là en fait on a mis des trucs au milieu, ça on va peut-être le faire sauter demain parce que bon là on va pas finir. Il est tard. On va s'arrêter. Tous les costumes ils sont là. Et là on a mis des trucs qu'on doit donner à Cuba. Donc c'est un peu entassé aussi, mais ça va pas rester. Mais bon là au moins on peut rentrer dans la pièce quoi déjà, c'est pas mal. Et donc là demain on doit descendre un meuble qu'on va mettre ici et un qu'on va mettre là. Et ça je sais ce que c'est. C'est une équerre. Ça va avec la planche de Gwen. Ah mais ouais c'est fort beau, c'est fort donc, probable. Donc comme je l'apporte pour la vendre, je prends ça avec. Voilà c'est le lendemain, on remet ça. Elle est là maman Ami. Coucou. Moi je là, suis à poil à... Je suis à poil à mythe parce qu'il fait chaud. Moi je me suis mis les fleurs aujourd'hui. Donc là on change de pièce. Je sais pas si je montre parce que j'ai un peu honte quand même. Mais ça permet après quand ils vont voir comme c'est beau. Oui alors en fait ça. Si on va montrer. Donc
Là, on est dans la couture sombre, donc il ressemble pour l'instant à, comment dire, un dépotoir. Donc ça, c'est du linge que j'ai plié, donc faites pas attention. Oui, il y en a beaucoup, ok. Il est où, Diesel? Tu m'as dit qu'il y a Diesel. Il était là, mais il est parti quand je l'ai. Et donc ça, on va le vider pour le mettre dans la cave. Donc voilà. Et on va... ça, on va le vider pour le mettre là-bas. Et ça. Enfin bref, on a un petit peu de... On a non, un peu de c'est juste transvasé. Quoi. Enfin, on va vider ici, on va re-remplir là-bas. Pendant ce temps-là, il y en a qui se la coulent douce. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui réclament de la bouffe. Voilà la position dans l'ascenseur. Parce que c'est un peu plein. Donc on se sert comme on peut. Allez, je pousse du cul. Bon alors là, je suis dans la cave qui paraît vide. Alors ça c'est royal. Regarde, à la vidéo, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Ça, c'est vrai super, là ouais. Elle Et est là, belle. On va mettre... C'est là hein. Oui. On va mettre la fameuse armoire. Je fais vidéo à poil aujourd'hui. Hein. Quoi? On va pouvoir, ça va glisser. Tu crois? Comme Et voilà, Rodriguez. Ouais. T'as tout mis? Oui, oui, j'ai tout mis, j'ai mis le sandwich, les petits trucs. Pour pas que ça s'envole encore. Et par-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Morceau de bonbonne que je suis. Bon, les gars, j'en ai plein le fion. Mais bon, ça prend tournure. Mais bon, là, voilà, c'est quand même bien rempli. Hein. Et il n'y a pas tout encore. Là. Hey, on se retrouve. On doit être bien une dizaine de jours après. Hein, cette ouais, à peu près une dizaine de jours, ouais. Donc je suis toujours aussi magnifique. Ouais, j'ai enlevé mes lunettes à la lucette. Je suis plus à poil, mais j'ai du bidon. Et mes lunettes à la lucette. Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'elle ressemble à une amie. Une copine qu'on avait. Qui doit avoir au moins... 90 ou 95. Au moins, ouais, maintenant. Bref, donc là, on va continuer. C'était très flatteur, en fait. Non, mais du temps où elle était plus jeune, hein, quand oui, même. Oui, voilà, quand même. Enfin bref, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc là on va continuer. J'ai mal au bras. Hein. On va continuer à vider, enfin à faire de la place dans la chambre parce que là il s'agirait de se dépêcher. Ah oui. Parce qu'il y en a une qui attendra pas. Et moi j'ai du mal à me trimballer maintenant. Et plus ça va et plus c'est difficile. Plus ça va, moins ça va. Plus il... Voilà, donc il faut le faire le plus vite possible pour qu'après on soit tranquille. Donc là il est 16h20 parce que je me suis réveillée à 14h30. Donc là il faut se bouger. Allez, allez au bout. Allez, on y va. Il y en a un qui est venu nous donner un coup de main. Hé, Salem, dégage. Ah mais du coup t'as pas pu plier le truc, il a... Ah si. Ah puis il y en a encore, quand il y en a plus, il y en a encore. Mahmoud. Bon, et moi en fait je sers pas à grand dégage, chose. Hein. Moi, je fais, moi je fais si, un si, truc, je fais un truc et je vais m'asseoir une demi-heure. Bon. Allez Chacha, regarde, ici, ça l'amuse en plus que je fasse ça. Allez, dada, Allez, le chat, Allez, loulou. Allez, Salem. Débarque. Salut. En fait, peut-être si tu tires comme tu as fait tout à l'heure avec le carton là, il va rester et le drap il va partir. On a fini, il va. Là, moi je suis assise. Mais non, c'est pas. Juste tu me le tiens, ça suffit. Le tout par contre, c'est que je trouve un truc quoi. Ah. Là, il y a le revers. J'aime bien le revers. Tu le reverses. Ah. Le revers. Tu le mets à l'intérieur. Mais attends, j'ai pas de. C'est trop mou, il est pas tendu. Mais c'est quoi les trucs qui volent? Il y a plein de plumes. Ah bah ça. Je sais pas. C'était sur le canapé ça. Allez, plie-moi ça en deux. Les coins ils sont rentrés. Ils sont rentrés, ouais. Donne. Je le prends. Qu'est-ce que tu fais? Je prends le trou. Je plie comme ça. T'as oublié le bas. Allez-y, moi je peux. Ma mère elle croit qu'elle est enceinte. Mais non. Mais si, comment t'as vu? Elle a vu, elle avait la main sur le ventre. Elle a cru que c'était elle. Je suis solidaire avec toi. C'est trop gentil. Moi, j'aimerais juste qu'elle le prenne vraiment le ventre. Ce serait bien. Moi, j'en peux plus là. J'aime bien ma mise en pli. Je trouve que plus ça va, plus je suis moche dans les vidéos. Non, mais si, c'est vrai. Alors, prépare-toi psychologiquement à ce que tu vas voir. Ah, j'ai bien de me mettre. Merde, ça s'en va. Un masque pour les lèvres de chez Sephora.
Et un masque pour le visage de chez Garnier. J'en parle après parce que là... Bon. J'enlève le truc sur les lèvres là. Parce que ça glissait un peu. Maintenant faut que je déconne cette merde. Ça fait des plis. Oh putain. C'est trop fin. J'ai pas de prise. Ça va me perdre, ça, je le sens. Bon, maintenant je vais rincer ce qui restait. Enfin, tout ça pour dire que j'ai fait un masque, je sais pas, c'est un masque pour l'éclat de la peau qui s'enlève en peel-off. En fait, je pensais qu'il fallait le faire pénétrer, c'est pour ça que j'avais mis. Si j'avais su que c'était enlevé comme ça, j'aurais peut-être pas fait ma maman. Enfin, bon, c'est pas grave. Et l'autre, c'était un masque hydratant pour les lèvres. Et donc voilà, maintenant je vais me coucher. Bon, bah là, c'est le lendemain, j'ai pas filmé, il doit être 6h du soir. Comment vous dire, on avance, mais il y en a partout quoi. Regardez, voilà, il y a tout partout parce qu'on a vidé un débarras qui était là, qu'on devrait agencer en espèce de bureau. Donc voilà, on va continuer. Super. Alors, on prend les mêmes, on recommence. Je sais pas combien de temps on est après, ça doit être 2 jours après la dernière fois que j'ai filmé. Et donc là, on a un canapé des 4 fer en l'air. C'est pas ma mère qui a les 4 fer en l'air. Non, c'est le canapé. Moi, non. Pas encore. Pas encore. Donc on va le sortir. Bon, je pense que le dossier, c'est que d'une seule pièce, non? Ben non, il doit avoir la méridienne séparée. Et là, en fait, on a, enfin, elle a enlevé déjà un petit peu de la tapisserie de ce côté. Et on va imbiber le reste. Voilà, elle a mis sa tenue de combat. Elle a des sabins, hein. On dirait pas un gros bébé, on va bigrou. Je suis un cosmonaute. Il manque le casque. Parce qu'en fait, là, c'est opération Javel. Et ah, merde, c'est l'heure du toucher rectal. C'est quelle taille, ça? Mais je sais pas. C'est du 6. Je prends pas la main, moi. T'as des grosses pattes. T'as pas des gants de ménage? Coucou. Genre moi j'ai des gants de ménage, tu vois. C'est vrai, j'ai pas réfléchi en le disant. Te casse pas la gueule parce que sinon ça fera un bêtisier. T'as la combi dans les fesses. Mais je filme je pas. Je le sens. Je filme pas. Sinon tu vas me faire à travers là. Je filme pas sinon tu vas m'engueuler. Ça fait. Je filme. Mon affaire, machin. Elle est rhabillée, on voit plus son cul, maman. Ah ouais. Mais non, mais attends, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'on va le voir, hein. Si, sur le plan d'avant, tu dis filme pas mon cul. Ah. Donc, elle a peur. Elle a peur que peur je le dise. Voit mon cul. Après, mais tout le monde l'a vu déjà. Mais comment? Comment tout le monde l'a vu déjà? N'importe quoi. Tu vas te voir mon cul à mon insu. Elle s'est touchée le cul dans la rue. Moi aussi, remarque. Ah, il faut un cruciforme. Ah, ça n'a pas. J'ai dit, ça marche. Ben là, je sais pas ce que c'est, ça. Non, mais alors, par contre, j'ai acheté une penderie, j'en ai reçu 2. Les gants. La facture. Hein. Non, mais j'aurais peut-être dû monter la poubelle, en fait. Ah, mais pourquoi? Ah. Ben non, parce que là, tu vois, il y a genre une... Elle est pas belle? Et l'autre, c'est pas la même? Si, si, c'est la même. C'est parce que là, tu vois la peinture. Bon, remarque, ça ne voit pas, c'est incroyable. Bon, écoute, ne défais pas les deux en même temps parce que sinon, ça va fonctionner. C'est déchiré le truc. Hein. C'est qu'on voit pas ma tête. Si. On voit juste mon gros vide. Voilà, ça y est, on a monté la. Oh, c'est joli. On a monté la. Comment ça s'appelle ça? Une penderie. Et en plus, j'en ai reçu 2.
pour le prix d'un. Cela dit, franchement, 35 euros pour ça, ouais, je méritais bien d'en avoir deux. Ouais. Sauf que deux, bon, c'est bien. T'es jolie. Tu me donnes le paquet? Non, tu vas le faire. Bah, allez, tu veux la même. Mais non, il y en a 20. Ah, il y en a 20. Je veux pas dire ça, hein. Non, tu mets la deuxième. Ça, c'est les cintres de chez AliExpress. On voit, hein. C'est trop choupi, nous. Non, mais ça va rentrer. Oui. Pas comme ça, on mettait des anoraks. Hein. La vieille expression. T'as vu encore des anoraks? Des anoraks? Ouais. Des doudous, non, oui, maintenant. Hein? Oui, ça rentre. Impeccable. Juste. Non, il est encore. De la bagage. Allez, bon, ah oui, j'ai pas montré ça. Ça y est, on l'a fini. On a galéré un peu parce qu'en fait, il y a une pièce qui était foireuse. Je sais pas, elle était pas dans le bon sens. Oui, c'est un peu le bordel encore. Voilà la petite penderie là, avec les petits cintres de chez AliExpress. Je crois que j'ai filmé déjà tout à l'heure, je sais plus. Et là maintenant, on a la table allongée qu'on voudrait commencer à monter. Alors voilà les nichons de ma mère. Mais non. Voilà, on a commencé la table allongée, mais là il doit être 22h, on va aller manger. On en peut plus. On a faim. On a chaud. On pue, chaud. On est sale. On se sent sale. On veut aller prendre la douche. Allez, on prend les mêmes, on recommence. Regardez un peu le petit cube bouffant. Non, mais aujourd'hui, elle a fait une petite combi. Sexy, elle a fait une petite combi stylée. Ah, c'est stylée. Allez, gratte, gratte. Inspecteur des travaux finis, vous savez qui c'est? Je vous la présente, elle est derrière la caméra. Personne ne sait qui est derrière la caméra, on ouais, sait pas. On a reconnu ta voix. Ça veut pas dire que c'est moi qui filme. Hein, personne ne sait si c'est moi qui filme ou pas. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu viens de te vendre toute seule. Non, j'ai rien dit. Bon, oui, c'est moi qui filme. Elle n'a pas des bières sur la croix. Ah non. Dabour Ganesh. On voit des pattes. Dabour Ganesh. Je suis en train d'écouter les Bratis la Boys. Dabour. Wow, Dabour Ganeshka. Et les bouches la vodka. Ma mère qui parle boulot. Alors, ils font des sons de malade, des trucs super bien avec des paroles à la con. C'est chaud, quoi. L'autre qui chante qu'il est polygame. Et voilà, on prend pas les mêmes et on continue. Alors là, bon, on a un peu avancé. Il y a le lit qui est monté. Bon, là, j'ai mis une bâche par-dessus. La table allongée. Et il y a papa en action. T'as tout à fait mal. Voilà, en fait, il a récupéré la combi de ma mère pour peindre. Et pendant ce temps-là. Alors, Maïté qui nous prépare à manger. Mayonnaise. Leche. Yogurt. Yogurt de soya. Tu sais que je le vois. Je le vois. Je le vois. Je no te confundas nadie aquí. Sí. Ya. Apaga la cámara, que otro. No es según. No es según. Se me va a ir dándole. ¡Huegadero! El pintor.
La mirada. Comment ça va, François? Tremendo flow. Bonjour les amis, que estamos pintando. On est en train de peindre le mur. L'habitation de la Victoria. La chambre. La chambre de la Victoria. Victoria Fulani. Et voilà, c'est voilà. Je continue. Donc là, on s'en demande au téléphone. Ah, c'est nickel, c'est super, génial. Mais bon, ne t'attends pas à avoir assez de petits. Tu vas pas bronzer. Hein. Regarde, attention, fais gaffe à tes yeux. Ouh là là là, t'as vu? Il fait jour, t'as vu d'un coup? T'as vu ça? En fait, pour pas trop qu'on voit que je mets des faux cheveux, en fait. Le but, c'est pas que ça se sache, tu vois. Sinon. Non mais en plus de tous les côtés là, on va se calmer les gars. Voilà les photographes du jour. Bon, la photographe ne sait pas parler, mais c'est parce que finalement c'est pas pour ça qu'on l'appelle. Exactement. Super ambiance, merci beaucoup. Non, vous avez été top, un couple extraordinaire. On attend la petite maintenant. Ah, on va voir, tu vas voir la petite, elle va naître, elle va faire. Excellent. Hey! Bon, alors, là, ça doit faire une semaine à peu près que j'ai pas filmé, parce qu'on avait le peintre qui est venu nous faire ce pan de mur parce que il était pourri, donc on pouvait pas le faire tout seul. Et ça a pas mal changé. Alors moi, c'est pareil, hein. Toujours habillée pareil, j'ai toujours le super look de la mort qui tue. Je suis pleine de poils parce que j'ai fait la sieste avec Diesel. Et bon, bref, voilà. Et là, maintenant, c'est plus la déco que je vais attaquer, mais je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Donc là j'ai mis l'ordi sur la table allongée parce que je vais regarder un film pendant que je bosse. Il y a un peu des affaires à moi mais bon. Voilà la table allongée montée, remplie. Le transat, il faut que je mette les piles, le lit. Et là j'ai commencé la déco. Le rocking chair, là j'ai en fait tout ce qui est poussette et tout ça. Et en fait j'arrive pas à l'ouvrir. C'est franchement, faut avoir fait 20 ans d'études pour ouvrir un truc comme ça. C'est un peu la merde. Et la petite penderie. Voilà, donc là ça commence à ressembler à une chambre, ça y est. Là c'est bon, elle peut arriver, on est plus près quand même. Et ça c'est déjà la collection de baskets. Bon, je sais pas si elle me battra un jour, mais bon. Allez, c'est parti. Je me suis mise dans le rocking chair, mais c'est super dur de se sortir de là après. Quand on se pose là, il faut une grue après pour se lever. Le modèle, c'était ça. Ça manque un peu d'italique, hein, le mien, mais bon. On fait ce qu'on peut. Hein. Hey! Alors, on se retrouve, je sais pas combien de temps après, ça doit être 2 jours après. Je profite que je suis un peu mieux arrangée que d'habitude, parce que j'en ai marre que vous me voyez moche. Je vais vous montrer un petit peu ce que donne la chambre. Donc la chambre est terminée. Maintenant, il me reste à faire ma valise.
et à ranger. Enfin, il me reste des trucs à faire quand même, un peu à l'école et tout ça. Ranger l'école, je suis essoufflée. Hein. Ranger l'école, faire ma valise là, ranger la maison. Bon, bref, des trucs. J'ai deux corées à faire aussi. Donc là, tant que je peux encore bouger un petit peu, c'est un peu dur, hein, mais bon. Alors, je vous montre. Voilà, là j'ai rangé les vêtements. Là j'ai mis la poussette et enfin tout ce qui va avec la poussette parce que j'arrive pas à l'ouvrir. J'attends d'étudier ça avec ma mère. J'ai peur de tout casser. Voilà le lit. Alors il y a déjà plein de peluches. Ça c'est Michael qui l'a ramené de Paris. Ça il l'a ramené de Corse. Ça c'est un cadeau. Ça j'ai acheté en Chine. Ça c'était sur ma liste de naissance. Ça aussi. Ça c'est une veilleuse. Voilà, là j'ai pris, ben, y a le transat que m'ont acheté mon père et Anita. Il faut que j'achète les piles pour mettre dedans, je crois que ça fait 20 fois que je le dis. Là j'avais pris ça en Chine, c'est pour ranger, là en bas il y a les couches, ça les couches que m'ont offert mes élèves pour à la fin du spectacle de fin d'année. Les lingettes, voilà, on peut poser des trucs dessus, c'est pratique. La table allongée. Oh, j'ai commencé à ranger les vêtements, c'est tout petit. C'est tout petit, ça c'est tous les trucs de naissance, de premier âge. Et là c'est quand c'est plus. Enfin là c'est plus grand, 3, 6, 9 mois. Et ça c'est pour dormir. Ça c'est très grand aussi. Voilà, les draps, les serviettes. Et les baskets, attention. Déjà. Ça c'est les langes et les bavoirs. Voilà, voilà, il y a la baignoire. Bon, ça, c'est une bibliothèque à moi qui est un peu en bordel, mais bon, on va mettre un rideau pour cacher. Et mon œuvre d'art de la dernière fois, qui est terminée. Pardon si je respire fort, mais maintenant, j'ai plus trop de souffle. Hein. Voilà. Donc là, c'est bon, on est prêt. Enfin, on est prêt. Techniquement, on est prêt. Maintenant, on va apprendre, hein, sur le tas. Voilà, on se retrouve au même endroit. Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé les rideaux. Donc là, ça fait déjà plus fini. Avec ma mère, on a monté la poussette. Enfin, c'est surtout elle. Hein. Moi, je suis restée sur le rocking chair en lui lisant les instructions. Donc là, on a juste tout superposé. Mais c'était une usine à gaz. Hein. Et donc là, voilà. Au moins, ça, c'est fait. Pardon, je suis toujours aussi essoufflée. Et donc, bah, la suite au prochain numéro. Bye, bye!